Moi, salut toutes les amis faisaient la caillou. C'est un plaisir pour nous capables ensemble avec nous, pour nous capables partager ensemble avec nous quelques informations qui ont dominé l'actualité. Pendant tout le week-end qui s'est passé, nous sommes capables de voir une nouvelle cabrit qui a fait actualité. Côté que le sénateur Youri Latortue, lui-même était venu ensemble avec dénonciation. Hein? Côté que, d'après l'information, le ministre nommé Félix William Michel, il était avant dans le gouvernement et cabrit pour 31 000 dollars. Eh bien, le premier ministre lui-même, il réactionnait. Les mêmes la porter explication sous dossier ça côté que les mêmes les bailleurs et sénateurs à défi pour le capable venir ensemble avec chèque 31 millions de gouttes ça et s'il venir ensemble avec les mêmes la démissionner et bien nous là pour nous capable suivre et est-ce que sénateur lui-même l'a venir ensemble avec copie chèque ça pour le capable prouver information ça que les mêmes l'a fait véhiculer depuis et tout week-end. Entendez déclaration ou bien réaction premier ministre là Félix William Michel. Premier ministre, est-ce que c'est vrai, comparé au Téladonio, il a gagné environ 1 milliard de gouttes de contrat avec l'État? Bon, si oui, ce qui est basé sur le contrat, ça? Non, c'est là où il est. Non, voilà. C'est là que nous avons un sénateur qui fait déclaration publique. Là. Il dit clairement que la compagnie a gagné un contrat de 34 000. C'est là pour montrer. Oui, mon yon ka fait en politique en Haïti, yon vraiment aller bas. Mon gen devant un rapport que la commission gagne en main, mon gen en main. Chèque que lui dit que Caribéen pour de gros chèque de 34 millions de gouttes. Je vais vous expliquer et j'ai les preuves à l'appui, ce qu'ils ont fait. Bon réquisition globale qui pour 34 millions de gouttes que le ministère a fait. Maintenant, À l'intérieur de cette réquisition, Caribéen a une commande pour 5 millions de gouttes. Et à chaque fois que l'ITI, Echange Food qui est pour 34 millions, et Express qui est pour 34 millions, que l'ITI qui est dupliqué, c'est à chaque fois le gain de réquisition globale. Le n'a parlé de 31 millions de gouttes. Il n'y a jamais eu de 31 millions de gouttes. Le n'a parlé de 34 millions de gouttes là. Si vous avez 34 millions de gouttes, vous n'avez pas ça sur le marché. Pour comptable public, vous n'avez jamais passé. Je ne peux pas oublier que le ministre n'a pas signé ce chèque encore. C'est comptable public. Ça veut dire qu'en comptable public, vous n'avez pas signé un chèque de 34 millions de gouttes sans passer sur le marché. Moi, j'ai une preuve à l'appui. Moi, j'ai une preuve à l'appui par rapport à documents que le sénateur a gagné, qui sont documents que vous mettez au numéro chèque. Pour Caribéen, pour dette. Numéro millions de gouttes, numéro chèque là. Numéro chèque, même numéro chèque ça. Que vous mettez qui 34 millions de gouttes là, c'est 5 millions de gouttes qui est lié. Et vous faites systématiquement sous toute compagnie que vous mettez dans le rapport. Et les documents sont là. PM. Deuxième Michel. Attends, mon petit document devant moi, m'appelle le bout. Et année 2016-2017. Exactement. 1705 FAC 604. C'est le numéro chèque là. Réquisition 15-11-705 MAA-029. Ministère Agriculture, Ressources Naturelles et Développement Rural, dernière PMT 2016-2017. Ministère Agriculture, Ressources Naturelles et Développement Rural. Numéro de réquisition 15-11-709-MAA-152 qui délivré pour Caribéen Product, mon montant c'est 34 572 500. Le 3 octobre 2017 à 10h39. Maintenant, pour même travail dans et dernière tranche, pour faire agriculture du travail, on chèque express transport gagné d'un montant de 31 millions 297 500 gouttes qui baille le 5-17-2017.
2017 à 11h12. Maintenant, numéro chèque ça, justement. Seconde, c'est 1705 SAC 603. Nous sommes dans des numéros différents. Maintenant, on va besoin de plus loin. Je lance un défi au sénateur, publiquement. Je lance un défi au sénateur. Ces deux informations que tu viens de donner là, avec numéro de chèque et montant, je défie le sénateur de venir avec un chèque, avec ces numéros, pour 34 millions et 31 millions. Moi-même, je viens avec les informations, avec ce même numéro, pour des montants de 5 ou 6 millions. Je n'ai pas les montants devant moi. Mais le montant, ça va être le tour là, c'est le vini avec copie chèque ça. Qui est numéro chèque ça, Kodi. Attends. Là, vini avec numéro chèque ça, Kodi. C'est l'âme d'Abriton. C'est relevé. Attends, sénateur partagé. Il va venir avec ce chèque. Il va venir. Vous avez un rapport qui dit clairement, et vous l'avez dit publiquement, sans vérifier, qu'il y a un chèque de 34 millions de gouttes avec un numéro de chèque. C'est clair. Les documents que le sénateur a dit, qui sont sur la non, il faut vérifier. Monsieur Robertson Lafosse, je suis désolé, il faut voir la copie de ce chèque. Si il vient avec la copie du chèque que vous avez dit, je reprends pour vous de 31 millions et côté tout ça est bien de 31 millions 257,550 gourdes. Avec le numéro que vous avez dit, 705 SAC 604, s'il vient avec ce chèque de 31 millions de gouttes, je démissionne. Mais sinon, en tant que responsable de l'État, il prendra les dispositions que le doit lui-même. Parce qu'il faut que cela cesse. Non, il faut que cela cesse. Il faut que cela cesse que vous ternissez l'image de quelqu'un. Michel. Vous voyez ce rapport dont on parle, ils ont multiplié les chèques, ils ont pris les totales de réquisition, et ils ont pris si par exemple, il y a une compagnie, si là-dedans, ils ont mis des montants total réquisition, et puis ils ont multiplié. Fais-tu Michel, on prend des exemples. Par exemple, une note s'est fait parler en pile dernier jour sur toi là, c'est causé cabrit là. Sénateur a souligné cabrit graine cabrit race améliorée, livon selon et contrat ligue dans mais livon 31 000 gouttes. Explication sur grain exemple ça. OK. Laissez-moi vous dire. Il n'y a jamais eu de contrat ou bien de commande de 1000 cabrit et pour 31 000 gouttes. Pas jamais ça. 200. Laissez-moi. Vous m'avez posé la question. Allez-y. Gagne deux fois que nous tenions des commandes du ministère de l'Agriculture qui ont des cabrites de pur sang. Malheureusement, et le porte-parole, il n'a pas eu le temps d'assimiler totalement les dossiers et je m'en excuse. OK? Mais, c'est pas de sa faute parce que nous sommes tellement concentrés sur le problème pays, je ne peux pas agir sur ça. Mais c'est pourquoi j'ai décidé de répondre. Ce sont des cabrites que nous prenons de Texas, que nous sommes venus pour que nous remettions. Pourquoi ça qui dérange dans ça? Gagner des commandes côté que même compagnie ça. Attendez, gagner des commandes côté même compagnie ça, que y a parlé à nous vendre des cabrites à 3000 gouttes. Livré dans le sud. Mais vous n'avez pas besoin. Il y a plusieurs contrats que nous avons des cabris que nous vendons à 3500 gouttes. Vous n'avez pas besoin. Mais nous prenons un cabri qui fait cabri spécialisé que nous prenons depuis le Texas, qui est destiné à la reproduction, c'est les mêmes que nous prenons. Je prends, je falsifie ces chiffres-là, parce que pas de chambre dans le rapport que vous avez entre vos mains,
qui t'a gagné que c'est 1000 cabris que le sénateur a dit de façon claire, il pas ça va jamais exister. Ce sont des documents tout à fait montés pour ternir mon image. Pourquoi on n'a pas pris les cotations côté de nous 20 cabrio à 3000 gouttes ou bien à 2500 gouttes? Oui. Sénateur a partagé des documents avec nous et sénateur a dit c'est la ministre économie et finance et avec un sénateur qui partage des documents ça avec ces documents ça me tape et met des contradictions là-dedans pour qu'il y ait une manifestation de la vérité pour tout évoquer là. Il faudrait quoi que le ministère de finance a monté des dossiers et remettre des sénateurs pour en mettre d'autres? Oui. Vous voulez me prendre? Ok, je reprends. Sénateur Latorsi qui partage les documents avec moi là, qui m'a cité pour vous là. Dis-nous dans l'interview que c'est ministre, dans le ministère financier baili avec un sénateur qui baili. Est-ce qu'il faudrait quoi par rapport à ce que dit là, que le ministère économie et finance a fait des montages de documents pour m'aider où? Laissez-moi vous poser une question, M. Robertson Alphonse. La question est simple. Ce rapport que vous avez, en où était technique, ligo numéro de chèque là-dedans. OK? Ligo numéro de chèque là-dedans, ligo numéro de réquisition là-dedans, ligo description, ligo montant. C'est simple, ligo numéro de chèque là-dedans. Moi, juste demandé pour yon vini avec copie chèque ça là. C'est ça seulement, okay. Oui, que je demande. Numéro de chèque, nom de compagnie. Venez avec le chèque de 31 millions de gouttes. Et ceci, c'est sur plusieurs compagnies qu'on a fait. Deuxièmement, je vais vous dire. Non, permettez-moi. Allez-y. Une précision aussi. Je n'ai aucun rapport avec Fish Equipment. Je mets en défi tout le monde de prouver que j'ai une implication quelconque administrative de Fish Equipment. Je n'ai pas d'implication personnelle dans Asian Food. Je vais vous expliquer l'histoire de Asian Food pour le comptable et Woody Torchon, et qui est comptable de Caribbean Products depuis 2012. Je vais vous expliquer l'histoire. Nous ne sommes pas beaucoup de compagnies qui font des efforts dans la production nationale actuellement. La production de semences de qualité dans ce pays, c'est une activité extrêmement rare, avec toute difficulté nous connaît que le secteur agricole l'a gagné. Nous pas en pile. C'est-à-dire que vous dites en fond, qui est comptable de Caribbean Products, t'es joué une négation comptablier, gagné compagnie Shell Foods, parce que là, nous pas en pile comme ça, ça qui arrivé que moi, je vous commande, que moi, pas qu'à exécuter tout, par collaboration avec entre entrepreneurs, vous pouvez dire, ah, mon cher, mon commande de 30 tonnes de maïs, mon cher, pas rien, qui sont au café. M'achetez, nous comptons faire une relâche parce que nous ne sommes pas beaucoup. Maintenant, je vais vous expliquer pour vous dire d'autres choses.